Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture de la chaîne Box du mois d'octobre. Voilà, commandez sur www.chainebox.fr et dedans vous aurez du coup des produits un peu divers et variés dont on ne sait pas ce qu'il va y avoir. C'est un petit peu le principe, c'est une surprise. Et ma foi, cette fois-ci, il n'y a pas seulement la boîte, on sent notre truc à côté qui est tout mou. Bon, alors qui dit octobre dit peut-être Halloween. Wait and see, nous allons voir ça ensemble. Sur quoi on parie? Enfin, déjà, le truc mou. C'est un peu chelou dit comme ça, mais... Et c'est... Une pop? Ouh, oui, c'est une pop. Elle a bien emballée pour pas que ça s'abîme, et c'est grave cool. C'est pas n'importe quelle pop. Oh la vache, trop bien. Trop bien. C'est la pop de Pegasus. Alors je suis content parce que j'ai encore aucune pop Yu-Gi-Oh. Je pense que certains en auront peut-être déjà. Mais ça fait toujours plaisir une pop. Je veux dire, c'est vraiment le petit truc que tu t'y attends pas forcément de tomber sur une pop dans une chaîne box. C'est la première fois même qu'on a une pop dans une chaîne box. Donc pour une fois qu'on en a une, on va pas s'en plaindre. Moi au contraire, je suis super content parce que bah, je l'avais pas comme je l'ai dit. Donc voilà. Ok, premier produit déjà satisfait. Satisfait complètement. Ensuite, bien évidemment... Bien évidemment! Ah bah d'accord. Il va falloir lui élargir le trou. Hop! Bien évidemment, la chaîne box! Tadam! Bah c'est bien parce que là, avec la cam, comme on est positionné, on va pouvoir tout découvrir en même temps. Hop! Ça va être cool. Alors, c'est parti. On l'ouvre. Oh mais putain, trop bien! Le soldat du trou noir. Enfin, Toon, même. Soldat du Stromar, Toon. Trop bien, en version animée. Mais ça déchire. Franchement, je suis super content que Sharon fasse des trucs comme ça. C'est grave cool. Ajouter, du coup, avec le reste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors, pour commencer, on a une enveloppe. C'est l'invitation, peut-être, au Royaume des Duelistes. On l'ouvrira après. Les enveloppes, c'est tout le truc qu'on ouvre après. Vous savez, il y a souvent de l'argent dedans. Je pense pas qu'on aura de l'argent, hein, mais... Ensuite, du coup, alors, Card Divider. Alors, c'est en français. Français, il n'y a pas écrit ce que c'est. C'est un site sans PVC. C'est dur. Je dirais que c'est une des sortes de. Oui, ça va être des top loaders. En tout cas, si c'est pas des top loaders, ça reste. Des sleeves très durs. Mais ouais, je pense que c'est des top loaders. Ultimate Guard. Voilà, après, dans les commentaires, vous pourrez me préciser exactement ce que c'est comme produit. On a 10. C'est toujours utile pour mettre les cartes rares qu'on a. Un pack d'OTS 11, ça c'est grave cool, et un booster au seulement de la fureur. Et en plus de ça, on a du coup des petites Dragon Shield Custom Mate. Alors je crois que c'est les dernières que j'ai achetées pour le coup là. Je sais plus, elles sont rangées, mais il me semble que c'est parti. Bah tant mieux. Tant mais Dragon Shield, c'est vraiment niveau qualité pour les sleeves, c'est vraiment un truc de dingue. Donc ça fait plaisir. Bon, et on va terminer avec du coup l'enveloppe. Hein, parce que... Oh non, c'est pas fini. Faut soulever, regardez les deux petites sucettes. Voilà, Sharon a fait quand même son petit effort. La petite Chacha, elle a fait le petit cadeau d'Halloween, les bonbons, et ça c'est grave cool, avec des petites sorcières dessus. On pense un petit peu artisane, sorcière quand même. Et donc l'enveloppe, qu'y a-t-il à l'intérieur? Oh, trop bien. Bah Lola Cactus, hein, comme toujours. Lola Cactus qui fait des trucs. Bah en même temps, c'est Cactus tatoué, j'allais dire Cactus. Cactus tatoué, magnifique. Le monde des Toons, vraiment dans l'ambiance un peu horreur, mais en même temps, comics, hein, c'est un peu le principe du monde des Toons, mais c'est génial. C'est génial. J'ai cru que ça allait être une petite carte postale, et je crois que c'est un petit peu le but de le fait que ce soit dans une enveloppe. Et où le billet de 100 balles? Et au fond. Trop content. Franchement, trop content. Très content de cette chaîne box. On va résumer les produits avant d'ouvrir les boosters. Du coup... des sleeves Dragon Shield, Custom Mate, des top loaders, je pense que c'est des marqué Card Divider, mais je crois que c'est ça. Un petit Black Luster Toon, du coup, en version originale animée, trop bien. Deux boosters en OTS 11 et un seulement de la Fureur. Un petit truc de Cactus tatoué, je me suis pas trompé cette fois. Qui une petite carte qui est grave stylée. Et pour terminer, j'allais dire pour terminer, mais oui et non. Pour terminer. Vraiment, en officiel Yu-Gi-Oh, du coup, une pop Pegasus qui déchire sa race. Et pour finir, deux petites sucettes, voilà, c'est le petit truc qui fait du bien. C'est cool. Allez, on s'ouvre les boosters. Alors, petit soulèvement de la fureur. C'est grave cool. Et du coup, dedans, on a une décharge de pioche. Vénération du vent, Yosenju. Yosenju, Sabu.
Ferveur psychique, Esprit Tini Nahata, et à l'envers, du coup, on a le BES, Vaisseau Canon Destructeur en Super, et on se revient à l'endroit, du coup. Douleur d'épée Yosenju, du Cataclysmique avec Koldo Cryonique, et Dino Lutteur Rambrachio. Bon, malheureusement, pas des gros trucs qui est sorti. Et pour finir, le pack OTS 11. J'hésite à l'ouvrir, mais on va quand même se l'ouvrir. On essaie le principe d'ouvrir la chaîne box, quoi. Un petit cyber dragon qui est grave cool. Ondine Demoiselle de Fortune. Et oh, Archer Nemesis Subterra. Pareil, en super. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, Subterra. Bon, bilan. Ben, moi, je suis très content de cette chaîne box pour Halloween. On est dans le thème. J'allais dire un petit peu, mais on est quand même pas mal dans le thème. Le thème, c'est Toon, hein. Ça se voit, je pense. Je pense qu'on voit bien qu'on est dans le thème Toon, là, quand même. Ouais. Et surpris, franchement agréablement surpris d'avoir une pop. Moi je suis content. Voilà, comme toujours. Merci à vous d'avoir regardé du coup l'ouverture de cette chaîne box. On se retrouve, si vous suivez pour les chaîne box chaque mois, puisque chaque mois il y a une chaîne box. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous et à bientôt. Bye.